YouTube, on retente la dingue, on s'emmerde. Je sais pas si tu verras cette VOD, ça dépend de combien de temps je tourne en rond. Là, je suis mort, mais j'ai rien à refaire. Donc c'est bon. Après, bon, il y a des salles que j'ai pas fouillées et tout, mais on va dire qu'on s'en fout, ok. Je vais pas les refouiller parce qu'il y avait rien d'important dedans. J'ai bien les deux. Ouais, enfin, j'ai celui, j'ai le bon. J'ai le bon médaillon. Ok. On va essayer de pas se faire one shot par un hunter. Vous allez voir. C'est vachement facile. Il suffit de pas se trouver sur sa trajectoire quand il saute. Et ça c'est pas facile. Mais bon, on y arrive, hein. Pourquoi? Parce qu'on est un pro gamer, tout simplement. Vois que c'est possible, ouais, c'est possible. J'avoue. Du coup, il y a qu'une seule attaque. Et celle-là, c'est la première fois qu'il me la faisait. Hein. Ne pousse pas la verrerie, merci. Ok. On a re les clés de la Porsche du coup. Ça dégoûte un peu. Il a dit qu'il pouvait one shot. Ouais, non mais oui, t'avais raison. Oh mais non, mais pourquoi tu fais cette attaque? Leur attaque est RNG de mes deux là. GG Echo. La connaissance en mutation de virus est phénoménale, mec. Spam, spam, spam! C'est bon. Coup de stress, là. Le dunk sur ma gueule qu'il allait me faire, j'étais pas chaud. Allume la lumière. Je rentre dans le centre commercial. A plus. A plus, mon ami. N'oublie pas toutes ces années que nous avons passées ensemble. Y a plus rien à choper là? Y a encore des trucs à choper ici. C'est quoi qui reste à choper ici? Énorme. Ah oui, c'est vrai, la batterie au lithium qui est par terre. Là, il n'y a plus rien. Ok. On essaie de pas mourir. Juste pour voir ce que ça fait. Surprise. Je t'ai donné toutes les clés. À toi d'y arriver. On m'a rien dit du tout. Vous savez, c'est le même, là, du gars avec la cape... qui arrive et qui dit je sais plus ce que c'est. My job is done. Et après la case d'après c'est la meuf qui fait mais t'as rien fait et il se casse. C'est Ecoban. Ok, je peux retourner dans la cour. Le plaisir. Bon, il me reste combien de temps? Il me reste 20 minutes à peu près là pour faire bouffer son gratin de pâtes. Pour faire pour que putain. Vous savez quoi, je finirai jamais cette phrase. Pour que Taki bouffe son gratin de pâtes. S'étouffe avec. J'ai trouvé où fallait aller. Jill to Brad, can you hear me? Shit, it's broken. Bon bah c'est dans la cour. Et donc c'est cet ascenseur là qu'il faut que je répare avec la batterie, je m'en souvenais. Sauf que c'est de l'autre côté de l'ascenseur. Encore les serpents nuls là ou pas? Pas l'air. Ah si, les serpents nuls. Oh mais chiant! Chiant, 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 chiant. Chiant. Oh si chiant! Par où? Attends, c'est pas fini. De quoi c'est pas fini? Le gars, à chaque fois que je vais résoudre une énigme, il fait non mais attends, je pensais pas à celle-là. Non mais t'as raison, c'est pas fini. En vrai, c'est pas fini, hein.
Hop. Batterie utilisée. Ça me fait juste revenir au début, et là j'aurai la mort. Ok. Très bien, alors là il y a deux choix. Soit j'essaie de revenir dans... Je pense qu'il veut me faire retourner dans la résidence. Soit j'essaie d'aller dans la machine à écrire. Vers la machine à écrire. Je vais vite fait aller vers la résidence parce qu'il y avait plein de... Non mais non, parce qu'il me fait aller là. Si le jeu veut que j'aille là, c'est qu'il veut que je retourne dans la résidence. Mais pourquoi retourner dans la résidence? C'est débile. J'ai plus rien à y faire à ce stade du jeu. Et la batterie, elle sert juste à ça? C'est-à-dire à rien? Parce que ça me sert à quoi ce raccourci? Ça sert que je passe pas par la piscine. Ça sert qu'en fait je skip juste une salle. Mais pourquoi je skipperais cette salle? Parce que je peux remettre l'eau. Parce que j'avais pas visé. J'avais pas vidé l'eau de la piscine. Ouais, mais ça sert à rien. Mais là, ça sert à rien de revenir ici. Ok, attendez. Là, dans ce truc-là, j'ai plus rien à foutre, on est d'accord. J'ai vraiment rien à foutre ici. J'ai pas d'endroit où mettre des symboles ici. Y'a rien, hein. 13 minutes. Merci pour les 13 minutes, mais... Je suis ken, hein. Un peu paumé, hein. Je suis un peu paumé, mais on va y arriver, je vais trouver. Je pense que s'ils m'ont fait débloquer avec la batterie, il faut que je remette l'eau dans la piscine. Sinon, c'est débile. Sinon, c'est vraiment le pire objet qui sert à rien du monde. Entier, ever. Mouahaha. J'aime pas trop le mouahaha, mais... Mais je reste frère. Si on peut le refaire, c'est qu'il doit y avoir une raison. Parce que ça servait à rien de baisser l'eau, de la remonter. Je n'entends plus le bruit de chute d'eau. Ok. Tu sais qu'il y avait une chute d'eau en bas de l'ascenseur? C'est la fontaine? T'es obligé de toute façon. Non, il me ferait pas retourner ici avec l'ascenseur pour la batterie.
Ah vous? Je pense que je suis pas mal là, non? Qu'est-ce que vous en dites? À mon avis, ça a l'air d'être par là qu'il faut aller. Ouais, je dis ça. Y a rien quoi. Bon, j'ai l'impression que ça sent bon quoi quand même. J'ai l'impression de pas. J'ai l'impression que je suis quand même sur le bon chemin quoi, sans vouloir vous offenser. Après, voilà quoi. Bah, je vais pas trop me la péter, mais. J'ai l'impression que je l'ai résolu, votre énigme manuel. Bon, j'avoue qu'il fallait quand même faire pas mal backtracker quand même. Fallait se souvenir de la batterie dans l'ascenseur. Je m'en suis souvenu au moment où j'ai examiné la batterie, je me suis dit, il y a deux ascenseurs. Et en fait, je me suis souvenu qu'il y avait quelque chose dans la cour. Enfin, qu'il y avait un ascenseur qui marchait plus dans la cour. Mais ça fait un moment. Le problème, c'est que j'arrivais pas à retraverser le couloir avec le Hunter. C'est la merde. Bon, je suppute que c'est par là, du coup. Passer par là, du coup. Ça pue la mort ici, j'ai pas envie d'y être. 2, 3, c'est une oie. 4, 5, 6, c'est une. 6. Bon, apparemment, j'ai bien trouvé la solution. Merci, Taki, pour le 150e mois d'abonnement. Un gros rocher bloque le passage. Il y a du sang sous le rocher. Indiana Jones? La porte! Merci beaucoup, Taki. T'étais pas obligé en vrai. Hein. Moi, c'était pour les mêmes. Mais t'es un homme de parole. C'est beau. Ça me réchauffe le cœur. Tel un pamplemousse en été. En vrai, j'ai quand même mis pas loin d'une heure. Quand même pas loin. Hein. J'aurais pas cru. T'as bien géré. En vrai, non, j'aurais pu trouver plus rapidement. J'aurais dû inspecter la batterie plus rapidement, en fait. Si j'avais su plus rapidement que c'était pour un ascenseur, j'aurais trouvé beaucoup plus vite. Encore une fois. Source d'alimentation de l'ascenseur, il y a un couvercle rond à l'ouvrir. Fuck me. J'en ai marre d'avoir des objets nuls qui servent à rien, là. Laminé. Il ressemble à une sorte de clé permettant d'activer l'alimentation électrique. Des symboles sont gravés sur le côté. Ok, faut trouver d'autres bouts pour le mettre là. J'ai gagné quand même, c'est vrai. Vous m'avez un peu sous-estimé, ça me fait de la peine, mais logique. Logique, hein. Je vais pas récupérer cette herbe tout de suite. Dit-il alors qu'il n'a plus de vie. Bon, ok, je vais arrêter de faire le mariole peut-être. Récupérer l'herbe. Va encore falloir que je rebacktrack tout. Je vais utiliser le pompe, j'ai trop de munitions de pompe. Là, je savais pas qu'il y avait encore une zone comme ça là. C'est long du coup. Le jeu est long, hein. J'aurais pas cru. Is that you, Jill? Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Stop. Enrico Macias. What did you? No, but why? The stars are. Aldino, sa sous-titre, oui. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Whisker. Enrico. J'aurais pas pu tourner alors qu'il y avait un coup de feu pour voir qui c'était. Espèce de patate. Traitor? Who? Oh la patate de Jill. Grosse patate, Jill.
Le mec qui fait ça est forcément un professionnel. Meuf, t'as pas... Il a quelque chose dans la main. T'as pas été capable de te retourner. Je peux plus porter d'objets. Putain, j'en ai ma plein le cul. Hein. Merde. Hein. Enrico, non. Enrico, Enrico dead. Hein. Ok, j'en ai rien à foutre, je fais ça. Please. Voilà. Tac. Comme ça, je rebacktrack pas. J'en ai rien à foutre. J'ai la manivelle. Pourquoi j'ai deux manivelles différentes? Elle a quoi de différente par rapport à l'autre, celle-là? Rien d'inhabituel. Intéressant. L'extrémité est hexagonale, là, d'accord. Réaction de Marion Cotillard. C'est pas comme dans Horizon. Vous avez vu, il meurt. Ah! Ok. Let's go, let's go, let's go. Viens, 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 viens. Hop là! Hop là! Esquive, esquive. Tout est sous contrôle, les amis. Y'a un truc là. Pas fou? C'est quoi ça? Des munitions de fling. Il m'a vraiment surpris. Hein. Ouais, les ennemis, en général, quand ils apparaissent, ils me surprennent un peu. J'ai pas peur, mais bon, une petite réaction de sursaut, quoi, vous voyez. Ah, c'était pas là ça avant. Quelle merde. Truc du genre, quoi. Ok. Oh non. C'est chiant, là. Voilà. Ils ont un temps de réaction, en vrai, qui est approximativement de celui d'une huître, les hunters. Donc c'est ok. On peut facilement les éviter, finalement. C'est pas des ennemis si dangereux que ça. Mais j'ai connu des grand-mères qui étaient plus dangereuses. Mais tranquille. Hein. Il semblait bien que j'avais beaucoup de grenades acides. Ça, je pense, j'en aurais pas besoin tout de suite. Je pense qu'on va se garder ça. On va peut-être sauvegarder un coup. Histoire d'avoir à pas se refaire tout le tour là. On a beaucoup de sauvegardes, donc on va en profiter. Tous les coups, on va en redropper un dans le... dans les cavernes. Putain, mais qui l'eût cru qu'il y aurait un étage inférieur dans la cour? Ça dégoûte. Ouais, quoi. Encore une on avance encore une petite demi-heure, là. Puis on se dira stop pour aujourd'hui. On va se faire ça. Il y a un trou. On déconne. Oh, carrément, quoi. On fait tourner la terre, quoi. Y a plus de limite. C'est déjà débile dès le premier Resident Evil, hein, les trucs. Dès le premier, c'était des idées débiles, déjà. Oh, une plante verte. Insane. Ramenons-la au coffre. J'ai pas de plante rouge. Plante bleue, plante bleue. J'ai beaucoup de plantes bleues. J'ai beaucoup de plantes tout court en fait. On va faire ça. Boum, boum. Combiné, boum. Boum, boum. Boum. Boum, 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 boum. I want you in my room. Pa 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 pa. Et on se casse. Bon. Indiana Jones peut se rhabiller un peu. Et du coup, il y avait la bouboule de tout à l'heure. Est-ce qu'on va faire comme Indiana Jones avec une bouboule qui nous court derrière? C'est quoi ça? C'est un panneau avec lequel on ne peut pas interagir. C'est assez énorme. Qu'est-ce qu'il y a ici à votre avis? Rien, il y a une boule. Oh, j'en étais sûr. C'était sûr, à 1000%. Je venais de le call. 8000% sûr de ça. Et un truc au bout du coup, quoi. Ça se sentait.
vois dans le futur. Trop facile ce jeu. Comme par hasard, il y avait une porte. C'est bien ça. Il y a une porte pile poil où la boule a défoncé le mur. Ah, c'est quand même arrangeant. On remarquera cette porte, bien sûr, creusée. Oh, c'est la reine araignée. Fallait me le dire. Fallait me le dire, j'aurais pris... Oh, c'est chiant. Oh, mais il y a des petites en plus. Oh, tout est chiant. Ouais, on va la kite, hein. Les deux en même temps. Est-ce que je vais mourir? Non. Merci Bangui. J'ai toujours les bons plans sur les batteries, c'est vrai. Hein. Couteau de survie. Tech le couteau de survie. Il y a encore une araignée. Oui, il fait ce bruit. Il y a encore une araignée. C'est énorme. On va penser à mourir par contre, petite. Bon, ok, c'était sympa comme endroit, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une toile d'araignée géante bloque la porte. Foutre le feu? Comment on fait? Faut tirer dedans. Ah, non, faut utiliser le couteau de survie. Si j'avais un QI supérieur à 2, j'aurais pu trouver tout de suite. Mais c'est pas facile. Je vous avoue, c'est pas facile. Ouais, c'est le problème, c'est que j'ai un et demi de QI. Du coup, dès qu'il faut plus de 2, c'est chaud, quoi. Mais c'est gentil quand même de continuer à croire en moi. Oh, c'est chiant. Vous savez quoi? Voilà. Voilà. Tac, combiné, tac, tac, utilisé. Parfait. Smart player. Smart player only. J'aurais pu ramasser l'arbre bleu, mais j'en ai trop dans mon inventaire. Même les boss, ça va, ils sont pas trop... C'est pas trop des sacs à PV, contrairement au Resident Evil d'après. En vrai. Je suis assez surpris. Il y a vraiment rien ici. Je savais que j'avais bien fait de garder la manivelle. Je sais pas pourquoi. Je le sentais. Oh, va encore falloir courir derrière la bouboule. Ça fout la mort. Enfin, je vais mourir. Non? Attendez, quoi? Faut retourner avec la manivelle encore? En fait, avec Jill, c'est moins dur, c'est vrai. C'est vrai qu'avec Jill, c'est moins dur. J'avoue. Oh, la bouboule qui va arriver immédiatement. Dans ma mouille. Vite!
Allez, Jill, c'est un peu moins dur, ouais, c'est vrai. Bon, ouais, ça me va. Chris, c'est chiant, en fait. C'est pas spécialement très dur, mais c'est juste chiant avec Chris. Alors que le kit de soins... Je me souviens de ça du premier, que c'était un peu chiant avec Chris. Qu'est-ce qu'il y a dedans? First aid, c'est cool. Bon, qu'est-ce qu'on va trouver au bout de cette caverne nulle là? C'est bien beau là de fouiller et tout, mais au bout il y a quoi? Une petite salle avec de la zik. Ça pue le sec, ça. Ça pue la salle de mort, ça. Ok, j'ai la ref. Je peux pousser ça. Okay, je vois à peu près ce qu'il faut faire. Ça fait quoi? Ok. J'ai compris l'énigme nulle. Merci à tous. C'est vraiment une énigme. Une énigme PS1. Oh, ça va être chiant. Ça va être long. Je pense que vous avez le temps d'avoir 3 gosses, le temps de la résolution de cette énigme. 1.5 GG. Franchement, les 1.5 de QI là qui carry, ça fait plaisir. Oh, le point et demi de QI là. Oh, le point et demi qui fait plaisir là. Ma mère serait si fière. Si seulement elle m'avait pas abandonné à ma naissance. Ça va être si long et chiant. Oh là là. Il faut pas que je la pousse dans le mauvais sens parce que sinon on est reparti pour 2 minutes d'emmerde. Regarde. Bourne. Là faut qu'on la ressorte. Et là on la remet. Ça c'est vraiment une énigme PS1. Il faudra presque galérer pendant une heure. C'est ça. Je vais même pas attendre la galère en fait. C'est... Oh non. Oh non, je me suis bloqué. Oh non, c'est bon. Oh là là. Oh, j'ai eu peur. En vrai, tout à l'heure, c'était juste de l'élimination quoi. Mais c'est vrai qu'il fallait se souvenir de la batterie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cylindre, oui. Ok. Du coup, on combine avec ça. Super. Examiner. Faut le tourner. Oui. Non mais il est sérieux? Il tourne dans ce sens. Ça c'est vraiment le truc pour te rajouter du temps chiant ça. Alors qu'ils auraient tourné dans l'autre sens, ça aurait été 2 fois plus vite. Incroyable! Ah non, je veux plus le faire tourner là, c'est bon. Ah, merci à tous. Ok, du coup, faut faire tout le chemin en sens inverse maintenant. Pour remettre le truc au bon endroit. Énorme! J'adore le jeu. Ça va, on est quand même dans des énigmes qui sont à ma portée, ça veut dire que c'est pas très dur. Je pensais vraiment arriver quasi au bout aujourd'hui, mais pas du tout en fait. Hein. C'est mon inventaire que je veux voir. Je vais récupérer la bleue du coup. J'ai pas vu qu'il y avait la map. Super. J'ai tout exploré déjà. Donc ça me sert une map. Les maps c'est vachement utile quand vous avez déjà exploré toute la map. Je trouve. Hein. C'est vraiment un bon plan. Là. Bizarre, on voit pas trop les portes avec toute l'étoile d'araignée.
Écoutez, je l'avais jamais fait, le premier Resident Evil. Je le trouve sympa, quand même. Ça change un peu. Hein. Sans blague, tu le finiras pas. Je dis ça tout de suite. J'ai dit pas aujourd'hui. T'es mort aujourd'hui. C'est trop long. Hein. Le problème des Coban, c'est pour ça. C'est pour ça que je pense que t'es énervé. C'est que t'écoutes que la moitié des phrases. Je te prenais pour un viewer élaboré, mais en fait, t'es comme les autres. T'écoutes rien. C'est ça le problème. J'ai plus vraiment besoin du coup d'autre survie, je pense. Je vais pas sauvegarder, vous savez quoi? J'ai foi en l'honneur. On le finira demain matin. Du coup, demain matin, je pense. Demain matin, 9h, on finit. À partir de 9h, on finit Resident Evil. Et après, je suis pas sûr qu'on... Ah! C'est vrai que je l'avais oublié, lui. Reviens. Pas très envie qu'il me one shot à ce stade du jeu. Il y en avait un là? Non. Ok, la clé ici. Le vrai problème de Coban, c'est qu'il a raison. Ça va les chevilles, tranquille. Une série de boutons qui clignotent, appuie sur l'un d'eux? Bah ouais. Et sur quel bouton? Un? Deux? 3, 4. Ok. Ah, par contre, ils vont vraiment me faire refaire ça. Alors, c'est 4, 2, 3, 1. Mais du coup, il n'y a peut-être pas besoin de le retourner ici. 4, 2, 3, 1, c'est bon, je peux lire, non? C'est bon, mais 1,5 de QI qui carry. C'est un ascenseur? Est-ce que j'ai vraiment envie de descendre sans sauvegarder? Je suis pas sûr. Hein. J'ai un truc de soin, j'ai des balles, je descends sans sauvegarder, j'en ai plus rien à faire. Jill. Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Saute, Barry. Barry, Barry, charisme d'huître. C'est encore Jean-Michel Immortel? Jill, go check it out. Jill va voir. Barry courageux. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Jill va voir. Moi je chill. Quel connard Barry. Ouais, je vais lui parler. Ça va me dire. I'll stay and secure our escape route. Sécuriser le chemin de sortie, rien sécurisé du tout. Ah, y a un coffre. Attendez, bougez pas, je vais sécuriser. Je sens que ça va être chiant, donc vous savez quoi? Je vais sécuriser à mort, là. Regardez bien comme je sécurise, là. Je pense que j'ai plus besoin de ça. Et je vais sécuriser à mort avec plein de grenades, là. Les grenades acides, j'en ai beaucoup. Les grenades acides, j'en ai plein, let's go. Ah, là, je vais sécuriser. Là, je suis en pleine sécurité. Là. Je peux descendre, là. Votre avis, je descends ou je monte? Ah, le jeu veut que j'aille là, je pense. Je vais descendre, mais pas. Ça m'a l'air d'être la même pièce. On va s'échapper en bateau. Vieille caisse. Dessus, on peut lire déchets.
Marrant ça. Un compacteur de déchets, appuyez sur le bouton, oui. D'accord. On peut descendre. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Je pense savoir ce qu'il va falloir faire. C'est l'énigme de toutes les survival horror quand il y a un ennemi mortel. Je crois savoir ce que le jeu va me demander. C'est le retour de Jean-Michel là. Jean-Michel Conjonctivite, c'est ça ? Ah, ça les grande. 3 balles de pompe et je l'ai gardé quand même. Il y a d'aller à gauche. Ah, et voilà. C'est sûr. Faire quoi là ? On est où ? Plante. Pas vraiment besoin. Il est par là ? Je place un objet dessus ? Quel objet je peux placer dessus ? Si je place dessus, j'ai rien dans mon inventaire pour aller dessus. Le levier, la merde. Salut. Moi, je dirais qu'il faut mettre une arme dessus, non? C'est un enfer. Au secours. Je peux passer mon arme dessus? Génial. Bon, il me faut un objet spécifique que j'ai pas là, apparemment. Bien. C'est amusant. Par où je vais là? Bon, je repars. Mais attendez, mais il y avait une autre porte du coup. Salut. Elle est où l'autre porte? Continue par là. Et allez. Ok, 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 ok. Combien de temps qu'on peut plus sauvegarder là ? C'est de ma faute, j'aurais dû le regarder avant. Il est où l'objet nul que je dois prendre ? Je vais même pas regarder l'énigme, mais bon, je suppose que c'est ça qu'il faut faire. Et donc, ça le transporte jusqu'où? Ah ouais, d'accord, en bas, ça va le casser. Ok. C'est chiant. J'ai compris que ça allait être chiant. Y'a rien d'autre ici?
Pièce porte la mention substance chimique, sans déconner. Marrant ça. Marrant que tout soit à chier dans, sa... dans ce sous-sol. Y'a pas un seul truc qui veut pas nous buter? Ok, t'es où Jean-Micheline? T'es là. Enfin, t'en parles de l'autre côté, c'est pas grave. J'ai le temps, moi. Travailler à la passion. C'est un peu long, quand même. On sent que le jeu, il nous dit, on va faire durer, on va faire plein d'allers-retours et des énigmes un peu chiantes. Merde. Oh, il se casse, le connard. Oh, Barry, connard. Oh, Barry, connard. Vraiment, j'ai pas honte de le dire. Barry. Barry relou, hein. Si j'avais su que Barry me ferait ça un jour. Il y a une mèche avec Wesker. Allez. Compacteur, yes. Laisse-moi récupérer l'objet nul qu'il faut mettre dessus. Ah non. Parti changer de caleçon. Peut-être, hein. Qui sait. Un lance-flamme cassé. Ok. Faut vraiment faire 15 allers-retours. On va trouver un vrai lance-flamme du coup, je suppose. Ça, quel plaisir. Il va peut-être nous renvoyer l'ascenseur, parce qu'il va falloir qu'on sorte d'ici à un moment, non? C'est vachement loin où faut aller là. Bon, il est où? Micheline, t'es où? Quel côté? Il est là. N'hésite pas à venir. Sinon, tu vas me bloquer. Ouais, voilà, bien. Bon, je lui ai mis trop de pression ouais. À rien faire. Ça, c'est bien un homme, ça. Il y a trop de pression alors qu'on lui demande rien. Et là, on voit que c'est un vrai homme viril. On lui demande rien, il a la pression quand même. Vite. Oh, c'est chiant. Je suis pas en face. Arrête, 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 tu m'as saoulé le jeu. Voilà. Déverrouille la porte. Lance-flamme, c'est pour Chris. Sacré Chris. Chris Redfield. Pourquoi je peux pas passer là? Ah, je veux dire, en fait, je suis de l'autre côté. Ah, sympa cette porte là. Pas de flamme, mais la cheminée a visiblement été utilisée. Énorme. Une grande collection de poupées. Toutes vieilles et usées. Énorme. Changement de plan de caméra. Chiant. Sympa, hein, cet hôtel, en tout cas. Y'a rien à visiter, ici. Juste aller là, quoi. Oh non. Les serpents. Au secours. T'as entendu Chris? Non, mais je t'en veux pas, y'a pas de soucis. Hein. Vous avez le même physique, donc ça se comprend. Une boîte! Y'a quoi dedans? Examine-la, fais un effort. Parfait! On sait ce qu'on doit faire. Une photo de famille accompagnée de quelques notes. Quelque chose d'écrit au dos. Virus progéniteur à Jessica, type A, plasmovis des tissus radioactivation cellulaire, fusion du virus négatif, destruction du corps. Plasmovis des tissus radioactivation cellulaire à Lisa. Positif mais retardé, résultat constant, toujours sous observation pour protection. Georges, euthanasié. Quelqu'un laisse un journal. Figure dans la fête, madame vertige, je ne vois plus maman, l'ont-ils emmené, elle avait promis qu'elle on s'échapperait ensemble, m'a-t-elle abandonné. J'ai retrouvé maman, nous avons dîné ensemble, j'étais très heureuse. Ce n'est pas elle, ce n'est pas ma vraie maman, le même visage mais différent intérieur. Je dois la retrouver, je dois lui rendre son visage. J'ai repris le visage de ma maman. Personne ne veut avoir ma maman sauf moi.
J'ai mis son visage sur moi pour qu'elle ne s'en aille pas, parce que maman triste, je la retrouve sans son visage. Dans la boîte, odeur de maman, vraie mère, peut-être ici, cube en pierre, dur, fait mal, cap d'acier qui bloque, pas voir maman à cause de quatre pierres. Oh là là, la vache. On pourrait faire des phrases, Lisa. Hein. C'est pas parce qu'elle a 5 ans qu'elle est obligée d'écrire comme un bébé, là. Jeune fille à différentes périodes de son enfance. Le lit est encore chaud. Bon, apparemment, j'ai oublié de récupérer des trucs dans la première salle, mais on s'en fout. Non, c'est juste qu'en fait, je suis pas encore sorti de la pièce. Ah, c'est qu'il y a des plantes. J'ai de quoi j'ai assez de place. Pas de place, pas de plantes, pas de place. Tu peux me toucher en plus. Pas du tout. Parfait. Ça avance cette petite histoire, n'empêche. Là, on est bien. Hein. Magnifique animation de d'échelle, hein, bien sûr. Maman. Maman. Ouh. Oh, on est là. Énorme. On est re-là. Trop bien. Maman. Ouh. Tu m'as fait chialer. Maintenant, je sais plus trop quoi faire de ma vie. Carillon, carillon. Alios toujours là pour les bons plans. Alios toujours là, hein, toujours là. Alios toujours là pour venir troller un petit peu là. Et après, quand on va troller sur son chat, il comprend pas. Ça fait plaisir. Ils ont arrêté Twitching, c'est vrai. J'ai un peu deg. Hein. Faudrait qu'on se fasse du karaoké un jour. Faudrait qu'on se fasse du karaoké. Je chanterai tous là. Je mettrai sur Discord. Je chanterai tous en décalé. Ce serait énorme, non? Qu'est-ce que vous en dites? J'ai pas l'habitude, tu parles jamais en chat. Non, mais c'est vrai, Alios, c'est vrai. Bon, c'était typique. Je sais, je sais, je sais, je sais. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se troller, donc c'est vrai que. C'est dur. C'est compliqué, j'avoue. J'ai tous les commentaires comme si, comme s'il y avait un. Un kappa, non mais c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça. Pas de karaoké? Pourquoi pas de karaoké? Vous êtes méchant, pas de karaoké. Bon les amis, j'ai l'impression qu'on a fait pas mal de trucs pour aujourd'hui là. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va sauvegarder là. Et puis on descendra dans le labo demain et on finira jeu de mort, non? Qu'est-ce qu'on en dit? Ça me paraît bien. Moi j'ai la dalle en fait, ça fait 4 heures que je live. Un ruban encreur, oui. Karaoké, c'est bof. Trop bien le karaoké. Vous aimez pas la vie? C'est pour ça? Merci, Banguier. On continuera tout ça demain matin. Ça me paraît pas mal, on finira le jeu demain matin. Au revoir, Resident Evil. On a bien avancé.